Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec les Timourides. Je sais toujours pas si on va former la Perse ou les Mongols, mais je pense que ça va être les Mongols. Les Mongols, ça va être beaucoup plus gros, on pourra le faire plus tard peut-être, hein, certainement même. Adopter le régime Mamelouk. Le pays est renommé Mamelouk. Ouais non, on va pas redevenir les Mamelouks, on aurait joué les Mamelouks sinon. Puis là il est pas parti disparaître le Mamelouk. Pas parti pour disparaître, pardon. Ok, est-ce que toi, tu m'as fait des revendications? Yes, t'es très bien toi. Toi, est-ce que t'as des revendications? Oui, l'Ouzbek. Je vais venir Nogais, toi tu vas venir Kazan et la Grande Horde. C'est la reconquête en plus, ça coûterait rien. Pourquoi pas. Est-ce que je peux reprendre des terres en... Ouais, on le fait. On va laisser avancer. Alors attends, juste un truc. Toi, je t'avais dit d'avancer. Ouais. On va peut-être attendre d'avoir fini les légitimations. On a perdu un général. C'est triste. Oh, pas trop mal. Ok, toi tu t'entraînes. Toi tu t'entraînes. On perd de l'argent parce que lutte contre la corruption, d'accord, donc ça va, on perd pas de l'argent finalement. Sauf qu'il va falloir légitimer ça. Ouais, on va passer en vitesse 5 un petit moment. Coup de l'infanterie, ouais, mais je vais pas faire de troupes de suite. On va déjà récupérer des troupes, récupérer des points. Vas-y. Hormuz, t'es en guerre contre... Non. Fais-toi éclater, Hormuz. D'ailleurs, ici... alors, attends. Je regarde la puissance commerciale. Qatar doit pas être dégueu. Qatar, c'est bien, ouais. On prend Qatar. Ok. Cachant, ça c'est bien, ça c'est très bien. Alors je pense que... c'était où Cachant là? Yazd, c'est zoroastrienne. Yazd, pourquoi je peux pas? 128 mois? Parce que... Ça me paraît énorme. Bon ben Yazd, tant pis. Prochain. Save et Semnan. Semnan, c'était l'objectif de guerre, mais voilà. Unité religieuse imposée. Ok. Mieux. J'ai un diplomate qui fait rien. Est-ce que vous... ça va. Toi, ça va. Ici ça va partout en fait. Vraiment toi ce serait cool de pouvoir te... Ouais. Attends. En fait je vais révoquer la garantie. Ouais quoique non. On va quand même être appelé en guerre s'il y en a un qui l'attaque. De toute façon vous allez mieux attendre là parce que... Le temps que ça tombe ça va faire... ça va réduire le coût là. Donc ouais, pour l'instant on reste comme ça, on voit les rebelles ce qui se passe. T'en es où là, des légitimations? C'est pas ouf. Ouais, donc du coup, s'il y en a un qui glandouille, où est-ce que j'aurais besoin d'une revendication? À Sindh. Ou Delhi même, hein. On peut aller... Attends, j'en ai une? Ah mais j'ai aussi la reconquête de la conquête de la Transoxiane. Ok, donc vaudrait mieux faire des revendications de ce côté. Akoyunlu. Ouais, en plus c'est un rival. Je t'ai mis l'embargo? Ouais. Mais tiens, je vais t'insulter en fait. Non, alors attends. Ça fait plaisir à personne ça. On va regarder. Le Mamelouk, ça fait plaisir à l'Ottoman. L'Ouzbek, ça fait plaisir à qui? Ouais, Nogais, Chagatai, pourquoi pas. Euh...
ici, rat. Enfin. L'état des rats, voilà. Le truc, c'est que. Non, on va attendre. On va développer un sur ces deux. Ah, il doit manquer aller quoi. Ouais, franchement, tant pis. Tant pis pour les points. Il m'en reste deux à mettre là. Et on aura l'institution ici. Allez, un petit dernier. C'est pas pour de suite. Réseau d'espions. Ça y est, on regagne de l'argent, très bien. Alors, commerce ou impôt? Impôt. Ouais, du coup, elle est super développée. 0,18, ok. Combien il me faudrait? 132, d'accord. Je récupérerais bien les troupes si je pouvais. Oui, super. 9000 troupes. On peut faire une autre revendication ici, alors. Qu'est-ce qu'on a? Des épices, un poisson, des vaches, et... Ok. Ici, j'ai fait, ouais. Donc, épices. Ouais, Reva... Reva. Qui va attaquer... Non, j'ai oublié. Bon, bref, on s'en fiche. On s'en fiche. On attend d'avoir quelques points là pour avoir enfin l'institution ici. On n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on fait là? Bâtiment mosquée, d'accord. Ouais. Oh. On a éclipsé les Ouzbeks, c'est très bien. On va lever l'embargo du coup. Et Delhi. Parce que Delhi, on peut t'attaquer dans pas longtemps. Et Delhi, oula. Ah ouais, je vais venir un paquet de monde. Ah, c'est vrai qu'on a les revendications de Kutch aussi. Je les ai oubliées, celle-ci. Putain, mais Lahore, tout ça, là, c'est... Doab. Là. Lahore, mais c'est où? Ici. Et ça, c'est la Transoxiane. Mais c'est pas moi. Ou alors, je t'attaque à toi. T'es assez cadeau, toi. Et on te bouffe. Et en plus, ça nous rapproche du légalisme. On passerait les 75, on pourrait récupérer des sous. Ouais, ça me semble bien, ça. Donc toi, tu vas venir là. Toi, tu vas arrêter de t'entraîner. On va potentiellement avoir besoin de toi. Kangra, donc, on va attaquer. Chagatai, il n'y en a pas de... Non. Ouais, c'est vrai qu'il voudrait... Allez, on n'est pas loin, par contre, d'avoir l'institution ici. Presque pas loin. On a des points militaires. Voilà. Eh ben, c'est pas déjà. Accroissement de la modernisation, oui. Et maintenant... Voilà. Ça se propageait là. Ici, on va le mettre. Ici, on va le mettre. Même si, bon, c'est pas ouf, mais... Et ici aussi. On va perdre un peu d'argent au début, mais... au moins, là, on a... L'Ottoman, là... La récupérer aussi. Ok. Et le même look que j'ai eu. Très bien. Pourquoi on est que... j'ai combien là? 14-4? Ah oui. D'accord. On va se faire deux stacks de 18-4. Puis après on verra parce qu'il y a les canons qui vont arriver. Donc toi... Non, du tout. Bassora, bah oui, Bassora, oui, c'est un nœud commercial, on va le prendre. Ok. On n'est pas loin d'avoir légitimé ça. Du coup, ouais, c'est bon. Là, ça va rien coûter en légitimation, parce qu'on va filer ça à la DAC.
Attends, j'ai pris le mec. Ouais, t'as un de siège, je crois que l'autre il a deux. Voilà, donc ça. Et ça, voilà. On vient là, on se met en vitesse 4 et c'est parti. Attends. Ouais, prends lui. Toi, non, toi. Prends lui. Fanatic Shit à Savé. C'est pas pour de suite, mais on va se mettre à côté. Faut juste que je trouve où c'est, Savé. Ah mince, si je me trompe de touche. Savé, ouais. C'est là, ok. On va aller à Com et on va s'entraîner. Tu vas où toi? À la DAC. Je t'ai loupé. Ok, je t'ai eu. Ouh, je pense qu'on va même pas faire le siège, on va laisser faire... Mais qu'est-ce qu'on prend cher? C'est ouf! Attends, t'es Texas? Non. Ok, et tes copains, c'est qui? Oh lolo, c'est eux! Ah ouais, alors attends, Junpour, ça peut être intéressant de t'appeler en... Oui, c'est bon, on va t'appeler. Puis on va te le filer même, c'est trois grossières. Ça sera utile. Voilà. Très bien. Prochaine cible, toi. Donc on va venir ici. Enfin je pense, hein. On n'a pas de trêve. Hein. Ouais, il n'y a pas grand monde qui vient en plus. Là on va avoir un peu de retard, mais bon. C'était nécessaire de toute manière. De développer. Super, super et super. L'état d'Ormuz, carrément. Côte des pirates. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Mogostan, c'est déjà un état. J'ai presque envie de mettre protection du commerce, puissance commerciale locale. Attends. Ormuz, Ormuz. Je la vois pas. Ah, mais t'es peut-être déjà... Oui, t'es sunnite. On a combien ici? 53%. Et on fait rien. C'est tout ça, Ormuz, d'accord. Bon, je mettrai plus tard. Eh, juste un truc, est-ce que... Ah, purée. Mogostan, non plus. Ah, c'est pénible, cette... Ah oui, toi, je t'ai oublié. Du coup, viens là. On va pouvoir faire des navires, d'ailleurs. Toi, tu seras à rien pour l'instant, on va faire ça. On perd l'argent, lutte contre la corruption, ouais. Le Mamelouk nous a accablé d'outrage. Alors, nouvel Amir. Amir à Al-Hajj. Al-Hajj. Alors, soit on perd du prestige et on gagne des réserves nationales 10%, mais on perd du prestige annuel. Soit on perd des points militaires et on gagne du prestige annuel. Soit on perd des points diplo et on gagne de l'efficacité commerciale. Non. On va prendre les réserves. Ici, il me faut 110, ok. Ouais, toi tu vas là-bas, on est bon. C'est qui ça? Ah, j'ai pas vu. Bon, tant pis. Savé converti, super. C'est le même état. C'était par là, Savé. Oui, c'est là. Ouais. Ok.
code des pirates, il va pas être très intéressant, on va se garder plutôt la capacité de gouvernance pour autre chose. J'ai pas lu. Avec qui? Prandoxian. Ok, et maintenant toi, on va faire des revendications partout où on peut. Oh, Mascate, je peux aussi? Comment c'est... Ah oui, par ici. Ça représente quoi, Mascate? Ah, c'est pas mal, on prend. Elle finit quand la trêve? En 85. Ok, on a le temps, 11 ans. Tu t'entraînes. Bon, là on n'attend plus que ça. Ah, hein. Oh, mais je crois que c'est Mewar. Hein. Attends, Mewar, c'est... Ouais, c'est ça. Ici, on peut refaire une revendication. Très bien. Alavs, Alvaz, plutôt. Arvaz, plutôt. On va y arriver. Toi, bah, tu peux t'entraîner. Ouais, toujours la lutte contre la corruption qui fait qu'on perd de l'argent, mais petit à petit, ça va se calmer, ça. Bon, on va passer en vitesse 5 le temps de finir ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Oui. Exceptionnel. Juste un truc. Ah, on n'est pas loin. Toi, 37% et rate. Bon, mais c'est bien d'elle. Il va falloir se rapprocher de l'Europe si on veut avoir des... Si on veut pas galérer pour les suivantes de... De... Mince. D'institution. Allez, finissez ce siège. Vous êtes obligé d'être à 15 000. Pff, quel bande idiot. Oui. Ça, de toute façon, on file à la DAC. Ça, à la DAC. Ça, à la DAC. Voilà. Et ça, on filera à Jaunpur. Est-ce qu'ils vont réussir à les choper? Ils ont 10 000 hommes là, je comprends pas. Elle est buggée cette armée, elle a pas bougé depuis le début. Ça y est, c'est fini. Alors avant qu'ils dé-siègent, tu files à Jaunpur, on est d'accord. Voilà. T'es qui toi? Kangra? On va laisser nos vassaux faire. À moins que ce soit bon. Ah purée. Y'a qui là, Transoxian? La Tradaki Sin Kaifa. Haifa. Est terminée. Oh mais allez, sérieux, vous êtes 12 millions là par rapport à eux. Faites les gars, faites. Alors, ça fait truc personne. On prend pour nous. La DAC, c'est terminé. Super. Ici, on a dit que... Ouais, non. Est-ce qu'il serait intéressant de t'annexer? On va voir, attends. Ça prendrait 4 ans. Et on perdrait 4 par mois. J'ai un mec de réputé diplo, je l'aurai pendant les 4 ans. Toi t'as quoi? Légitimité. On va t'annexer. Et on refera notre vassal dans le coin. Alors maintenant, cette guerre, c'est celle-ci qu'on fait. On n'a aucune revendication là-dessus. Ok. Ou alors, on va... Sachant qu'il faudrait que eux me donnent l'accès. Ah, ils seraient d'accord. Est-ce qu'on a ta Gujar? T'avais des revendications, toi? C'est vrai que je t'ai pas vassalisé. D'accord. Du coup, c'est plutôt toi qu'il faudra attaquer. Ok, alors reviens de Dormuz. On va... Tiens, on va faire une dernière revendication. On arrête l'entraînement. On arrête l'entraînement. Du coup, c'est à Sursind qu'on va se rapprocher de ce vassal.
super. Tac. Et du prestige, mais très bien. Ah, tu tiens plus ici, toi. Ah, tu tiens, va là. Toi, viens là. Et... super, Chagatai qui nous kiffe. On attend la fin du mois. Parfait. On va faire venir nos guys, mais pas les ottomans. Et on se met en vitesse 4 et c'est parti. Donc conquérir à base, ouais. Attends. Un de siège. Deux. Ok, on fait inverse. Toi tu prends deux de siège. Tu viens là. Toi tu prends l'autre. Tu viens là. Fort de niveau 2. Ok. Ici on va dire la transoxiane d'y aller. Ici aussi. Et oh mais Kazan est complètement occupé par la grande horde. J'ai confondu une guerre. C'est quand j'avoue l'attaquer eux. Ah oui. Et du coup alors je me trompais, y'a qui? Mazan et Shirvan. Ils sont où? Là. Ok, on va demander à la DAC, pourquoi pas. Ou nos guys. La DAC, tiens nos guys, tu viens prendre ça. En soi, peu importe qui le prend. Donc du coup toi c'est bon. Ah je peux pas tant qu'on n'a pas fait le siège, ok. On va l'éclater ses troupes alors. On peut mettre en réseau d'espions vu la quantité de forts qu'il a. Les émirs perdent en influence, c'est très bien. Plutôt que tant pis pour eux. Ok. Je me demande si on va pas manger entièrement Mazandéran. Si elle nous perce là. Ils vont se retaper, ouais. Impec. Mazandéran terminé, on n'en parle plus. On va évidemment pas prendre la doctrine. Parce qu'on va en avoir besoin rapidement de tout ça là. Combien il nous faudrait? On n'y est pas encore, hein. C'est rate surtout. 50. Et Téhéran. Putain, c'est ici Téhéran. Ouais, quoi d'autre? Shiraz, Kaboul, Ispahan. Ispahan, c'est par là, ouais. Shiraz. Non. C'est où Shiraz? C'est dans le coin? Là. Ouais, ok. Et on a dit quoi? Kaboul. Par là. Je sais pas du tout où c'est en fait Kaboul. Je suis en train de me rendre compte. Kaboul. Là. Ah. Ça va se propager petit à petit. Je sais pas si on a un état là. Ouais. Ici oui. Ici oui. Ici aussi. Ouais, donc partout autour. Bon. Bah ça va remonter gentiment. Tiens, j'ai pas vu. T'as quoi? Rien du tout. C'est qui tes rivaux? Les Mamelouks? Ah bah parfait. Ouais. Ce serait tellement bien. Bon ok, il a pas envie d'y aller. On fait le tour par là.
peux pas passer là et là. Ah, il me donne pas l'accès, d'accord. Ok, bon, on fait ça. Vas-y, fais le tour, c'est pas grave, on va les sortir. Pèlerinage à Sabzevar. J'ai pas lu, mince. Ok, ça c'est cool. Venez à Bassora. Les légitimations vont être terminées, c'est parfait. Téhéran, oui, je crois, hein. Ouais. C'est le dernier qui reste dans l'état, et après ce sera Dachistan. Je sais pas du tout, c'est comme souvent. Dachistan, pardon, ici. Ouais, ce sera le dernier. De l'état, ok. Alors attendez, je me réinstalle. Ah. Voilà. On va avancer prudemment. T'as fini là? Parfait. Est-ce qu'il y a moyen? Ah, on peut pas savoir. Sindh. Ah, ça compte pas ça comme province. On doit avoir que celle-ci. Et celle-ci par la mer. Oui, vas-y. On va revenir. Ouais, la noblesse transoxiane. Mazandéran, maintenant que tu n'as plus d'armée, plus de territoire, plus rien, ça ferait quoi? Car on sera en trêve. Adjams, ils sont tout petits, puis même je crois qu'on est en trêve. Shirvan, on va être en trêve, ok. Donc ça passerait. Combien de temps encore? Ouais, 3-4 mois. Un peu plus. Non, même pas. Je sais pas du tout où sont les troupes de... Ah, elles sont là. Bah, très bien. Vu notre morale, on a dû les combattre, mais j'ai pas fait gaffe. Succession de Bourgogne. En train du nom personnel avec Clève. Clève, c'est... Ah. C'est où Clève? C'est ça, Clève, voilà. Ce petit pays est le souverain de celui-ci. Ouh, mais la Lorraine a bouffé la Provence. Bon, rien de bien significatif en Europe. Toi, t'es libre. Ah ouais. L'Autriche fait pas une super partie. Le français, je sais pas ce qu'il fait. À part annexer ses dépendances. T'es entré avec l'Autriche. Je vois pas pourquoi. Avec la Savoie. T'as bouffé la Savoie? Ah, t'as pris Bresse. Ouais, ouais, t'es pas ouf la France dans cette partie. Là, on est redescendu. Ah, le Mamelouk a bien mangé. C'est bien gavé ici, c'est gavé même en bas là. Ok, allez, on repart. Toi. Donc, fort de niveau 2. Ok. Est-ce que je peux aller là? Non. On va rester là. Ici, c'est bon. C'est bien toi qui as deux sièges, hein. Mariage avec Jaunpur est rompu. D'ailleurs, attends. Toi. Ah, on l'a toujours. Vas-y. Là, c'est pareil. Ah, quoique, ils sont 14 000 ici. Et on va rester groupé ici. Tout hasard et rate, c'est... Non. Ça, on est à combien? Oh, 80, mais ça monte super vite. Eh, un 60.
C'est quoi le modificateur? Une province voisine? Oh, on prend plus 1,05 quand une province là. Enfin, une province voisine. Mais ça veut dire que toi, c'est pareil, ben non. Province amie. Et ici, une province voisine. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On poursuit cette guerre contre Kara dans l'épisode prochain. Et puis, c'est à peu près tout. Pas tarder à stack à Delhi et peut-être à Sindh pour se rapprocher de Kutch et pouvoir le vassaliser. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, ou certainement demain pour la suite. Salut à tous.